Bishatadishmaya, nous sommes le 16 Adar Aleph 5774. Nous sommes arrivés à Daf Lamed Amoud Bet dans les deux points en haut. Rabbi Amir, si regardez le truc que vous avez ici de prier à la Yeshiva et de vous lever à l'heure le matin, parce qu'on voit que Rabbi Amir, Rabbi Asi, malgré qu'ils avaient 13 bateknesset à Tveria, ils étudient dans leur Bet HaMidrash. Béni Amoudé, c'est entre les poutres de leur Bet HaMidrash, parce qu'il y a une yann véritablement important de prier à l'endroit que tu étudies. Parce qu'à l'endroit que tu étudies, tu fais grâce à ton étude. On parle de la Bet HaMidrash, c'est ça? Non, mais ça veut dire même si toi tu n'étudies pas, il y a une yann de prier dans la Bet HaMidrash. Non, je te dis. Béni Amoudé. C'est-à-dire aussi un minyan, ouais. Bet HaMidrash, c'est un niveau plus élevé parce que c'est l'endroit où. On étudie. Dans la plupart des synagogues aujourd'hui, même à Marseille, il y a, dans tous les bêta-midrash, il y a des shiurim. Dès qu'il y a des shiurim, donc ça devient une sorte de bêta-midrash. Bon, il y a des synagogues, tu viens, tu pries, tu pars, mais. S'il vous plaît, David. C'est bon. Taisez-vous. Merci. Itmar. Donc on a appris Rabbi Yitzhak Bar Avdim au nom de Rabbeinu. Amar alakha comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Je vous rappelle que Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria que on n'est pas tour de Moussaf que dans une ville où effectivement il y a des gens qui font le minyan de Moussaf. Dans une ville où il n'y a personne, il n'y a pas de minyan qui fait Moussaf, on a l'obligation de faire le Moussaf. Et il rapporte une preuve. Ben, c'est ce que je viens de dire. Rabbi Chia effectivement Bara Batsali Vadartsali. Il a prié. Il a fait une Amida, ensuite il a fait une deuxième Amida. Amar les Rabbi Zer, Rabbi Zer Aliyah dit, mais pourquoi vous parlez là-bas sur l'aile gauche? On ne s'entend pas. L'aile gauche. On vient de Tagmar Akdosha. Donc effectivement, Rabbi Chia Baraba, Sali, Veadar Sali. Tagmar Aliyah. Et donc il a fait l'Amida, il refait une deuxième Amida. Amar les Rabbi Zer, Maïta, Mavid Marachi. Rabbi Zera lui dit, pourquoi tu refais deux amidot? Il a aimé de l'okiven bardate. Si c'est parce que monsieur le rabbin, vous n'avez pas une vraie kavana. Alors c'est problématique pour Rabbi Amar Rabbi Lazar. Rabbi Zera il a dit, là, mais moi, t'as ce moment, il m'a collé chalent libo. Quelqu'un, il doit véritablement vérifier, revérifier, être conscient que véritablement il va pouvoir refaire l'amida avec toute une meilleure kavana. C'est pas stable que tu fais encore une fois l'amida. Donc pourquoi tu fais deux fois? Vehimla, mais s'il n'a pas vraiment sûr à 1000% qu'il pourra avoir une bonne kavana, une meilleure kavana dans la deuxième tfila, Alipael ne refait pas une amida. Et là, c'est possible que quoi? De l'Ad Karmar de Rechi Archa. C'est possible que c'était un Rosh Chodesh et il n'a pas dit aller Veyavo. Et c'est pour ça qu'il a refait une amida pour dire aller Veyavo. Ça non plus, ça marche pas. Veyatan, il aurait été à nous dit, t'as, avec le inscrit chez le Rosh Chodesh, mais Arvid, quelqu'un s'est trompé, il n'a pas dit aller Veyavo. Le Rosh Chodesh, donc à la prière de Arvid, El Marziri Moto, il ne refait pas aller Veyavo. Bechacholom, Bechacharit. Parce qu'il peut la dire à Shacharit. Bechacharit, c'est à Shacharit. Effectivement, il n'a pas dit Veyavo. El Marziri Moto, il ne refait pas. Pourquoi? Parce qu'il peut la dire à Moussaf. Et à Moussaf, on ne refait pas à revenir. Parce qu'effectivement, il peut la dire à Mincha. Amar, il a dit non, la vie de Maralam, Rabbi Yochanan, ça c'est Betzibur Shano. Ça c'est quand il est dans un Tzibur. Mais de lui-même, il peut, oui, refaire une Amida. Donc on voit que de cette histoire, ça ne fait pas une preuve. Lui, il a voulu rapporter une preuve. Que le fait qu'il a fait deux Amidas de suite, forcément, c'est une de Shacharit et une de Moussaf. Et comme dans sa vie, apparemment, il n'y avait personne qui n'avait pas de Minyan de Moussaf. Alors, c'est pour ça qu'on peut en déduire de là que la Lacha, il est comme Rabbi Yehuda qui a dit en nom de Rabbi Yehuda Ben Azaria. Que dans le cas où il n'y a pas d'Amida dans la ville, alors il est khayab de faire l'Amida. Mais c'est ce qu'on a voulu prouver. Nous n'avions pas réussi à prouver. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il a oublié de dire il y a Levi Avo dans la première Amida. Dans la deuxième Amida, il l'a refait. Pourquoi? Pour effectivement refaire il y a Levi Avo. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces Gemara, elles parlent plusieurs fois de la même situation. Mais la vérité, c'est que si on fait attention dans la Mishnah en elle-même, vous voyez, il y a un petit kaf sur l'avis de Chachamim. Parce que Chachamim, ils ont dit dans la Mishnah, Becheverir, Becheverir, que Moussaf, il y a une obligation de dire Moussaf, qu'il y ait
un minyan, qu'il n'y ait pas de minyan, chacun d'entre nous a l'obligation de faire moussaf. Donc toute cette grande et longue discussion, dans un cas, dans une ville à Conflans-Sainte-Honorée, qu'il n'y a pas de minyan, est-ce qu'il est khayav ou pas khayav, si dans une ville comme Kohav Yaakov, il y a plein de minyan de moussaf, alors tu es pas tour, tout ça en fait, c'est finalement, c'est pas quelque chose qui est conséquent, parce que la halakha, elle est comme la vie de Chachamim dans la Mishnah, qui dit que bechaveri ou shalom bechaveri, qu'il y ait minyan, qu'il n'y ait pas minyan, de toute manière, le yachid, l'individu, il est khayav du moussaf. Omeret Hagmara Hakdosha, Kama Yishe ben Tfila le Tfila, combien il faudra attendre en... Moshe, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu étudies encore la yeshiva? Tu étudies encore la yeshiva? Kabbalah Shabbat. Tu nous as manqué? Il y avait un ex Shabbat et il n'y avait pas assez de gâteau. D'accord. Si, il m'a manqué. Moshe, il m'a manqué. Bien sûr qu'il m'a manqué. Et la semaine dernière aussi, je t'ai pas vu. Bon, après, tu viendras me raconter toutes ces histoires. Kama Yishe ben Tfila de Tfila, combien il devra attendre avant, entre deux Amidot? Regardez Rashi. Mishesh alav lachzor ou le itpalel, si quelqu'un... Je suis en train de lire Rashi là. Mishesh alav lachzor ou le itpalel, quelqu'un qui a besoin de refaire encore une Amida. Oh mishum deta. Oh, Mishum Moussafin, ou bien parce qu'il s'est trompé, il a fait une erreur dans la première Amida, il devra faire une deuxième Amida, ou bien parce que la première Amida c'est Shachari, deuxième Amida c'est Moussaf. Kama Yishe Ben Zolazo, combien il doit attendre entre les deux Amidot? Nous dit la Gemara, Ravuna Verabichia, Ravuna Verabichia, Chadamarin, a dit qu'il est chétit, Chonen Da'ato Alav, pour que son dat, sa zèche, sa conscience, sa concentration, elle soit comme une supplication. Elle soit, regardez, Rachit, Chonen, Chetet Da'ato Miyushevet, L'aroch devaram, je dirais que sa pensée, sa conviction, sa supplique, elle soit meyouchevet, elle soit posée, on va dire, posée. L'aroch devaram, pour bien ranger, on va dire, ses paroles, belachon techina, dans un langage de supplication. Vous voyez comment c'est important? On voit là de Rashi et de la Gemara. Qu'on ne doit pas rentrer la Amida comme ça, la va-vite, tchac, 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 mettre les tefs, hop, hop, courir entre deux courses vers sa Amida. Mais vous voyez comment il faut être. Il faut que son date, il soit meyushav, il soit véritablement posé, c'est-à-dire qu'il soit posé. Pas il est entre. Il travaille à la bourse et une seconde, il est en train de. Combien le quartier plus, je sais pas quoi, machin, quinté quartier plus, 4,40, je sais pas quoi. Il sait plus où il en s'en trouve. C'est assez 40. Merci Aviel. Et donc, vous c'était d'Aratom et Yoshevet. C'est vrai que c'est un travail qu'on doit faire tout le long de sa vie. À la Yeshiva, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que vraiment on étudie la Torah. Mais quand on a du travail, etc., et on doit s'arrêter. On doit bien se poser pour avoir une bonne fila. Et une bonne fila, il n'y a non, pas. La Yeshiva, c'est facile, genre, des fois. T'es en train d'étudier un truc juste avant de commencer la mina, ou la tefila, et t'es encore en train de réfléchir à ça. Alors, c'est, mal à c'est pour ça que les séfarades, ils ont ajouté plein de choses comme ça, ils peuvent tout, ils te font à l'amnatsear, les ketoret, les shem yahoud, et comme ça tu as vraiment le temps de te poser, ouais, pas tahéliao. Donc t'as vraiment, t'as 10 minutes avant la mina, t'as le temps de te poser quoi. T'attends 3 fois d'éteindre ton portable, de le mettre sur silencieux. Je sais. Ça y est, Moshe il s'est chauffé. Ok. Effectivement, Rachid te dit, on va suivre Rachid, regarde. Dirtiv, non, la Gemara nous rapporte le Passouk. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Bon, prochain, vous avez la simcha de l'étude, c'est beau. C'est Dirtiv va être Hanan et Hachem. On parle de Moshe Rabbeinu, qui a supplié Hachem de rentrer en Eretz Israël. Et nous, on a le sroud d'être ici présent. Très grave. Merci. Donc, nous disons la chose suivante. Ah, on parle de Moshe Rabbeinu qui a supplié à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Pour entrer en Eretz Israël. Et nous, on a le trou d'être là. Incroyable.
Nous dit la Gemara dans Masechet Ketuvot. Atra de Moshe et Aaron Ozachi, mi emar de Kasachina. C'est sort de Rabbi Zera. Il a fait son alia. Il est arrivé à l'autre côté du Jourdain. Et il y avait un bateau qui faisait les allers-retours. Et il arrive au cours, au cours, au cours, il rate le bus, genre il rate l'avion, il rate le bateau en fait. Il se dit, j'ai raté le bateau pour arriver en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas à réfléchir, ni une ni deux. Il coupe du bois, pac pac, il se fait une petite draft soda, hop, et il va de l'autre côté. La Gemara nous raconte, il y avait un taïa, il y avait un arabe à côté qui se disait, mais dis-moi, vous êtes fous, vous n'avez pas un peu de patience? Attends le prochain bateau. Demain, il y a un autre bateau, il fait l'aller-retour, et ça va. Alors Rabbi Zera lui dit, Patra de Moshe et Aaron, les Achim, et Mère de Kazachina. L'endroit que Moshe et Aaron n'ont pas eu le surtout de rentrer, qui veut te dire qu'il a une attaque de cœur, un machin, un truc, qui te dit? Peut-être que, qui c'est qui te promet qu'il va être vivant dans deux heures, le prochain bateau? Un serpent va venir, il va lui couper la tête, je sais pas, il peut pas savoir. Et donc, il a pris un bateau, tac, tac, pour aller en Eretz Israël. Donc nous, Baruch HaShem, on a le surtout d'être là. L'endroit que Moshe et Aaron n'ont pas eu le surtout. Et donc là, quel rapport avec la Torah? Parce qu'Amar Lodi va être Hanan et Hachem, sans BDC, bien évidemment. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a su appeler à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Oman de Amar, Keteshitit Holel d'Aratora. L'autre, il dit. Avec un langage fait d'imploration. Il dit, Yehal Moshe et Pene Hachem Elokav. C'est quand Moshe Rabbeinu, il a imploré, il a fait, c'est beau là, imploré à Kadosh Baruch Hu pour Kadosh. C'est ce qu'on a lu, on a lu à ce Shabbat hier. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne les Béné Israël sur leur faute du Vaudor. Rashi, Lashon Hilouy, un langage d'imploration, Vehi, en fait c'est le même but quoi. Et là, Benishna Be'al Mapligé, seulement la marloquette, elle est, quel véritablement le langage? Mais finalement c'est le même inyan, c'est le même but de te dire qu'il faut que tu sois posé pour qu'effectivement tu puisses faire ta prière d'une manière... d'une manière concentrée. Ok? Je sais. Amar Ravana, Amar Rav. Ta'a velo eskir shel rosh chodesh arvit. Donc, Ravana nous dit le nom de Rav. Ta'a, il s'est trompé, il n'a pas dit allez via vous arvit. El marzerin auto. Il recommence. Il ne refait pas la Amida. Les fiches en bendil me kachin da chodesh. Et là bayo, parce qu'on sanctifie le mois que le jour. Amar Amimar, Amir a dit, Mistab Amita de Rav, Bechodesh Male, Rabbi Amir a dit que ce que Rav a dit, apparemment, on veut dire que c'est que dans un mois, nous dit Rashi, Bechodesh Male, Kshachodesh Avar Male, Ensin Rochodesh Bet Yamim, c'est quand on fait deux jours de Rochodesh. Il garde ses postes là, Yacholemra le Mahar, il peut dire le lendemain, De Arvit Shem Mahar, Rochodesh Gambo, parce que le Arvit de demain, c'est plus, la probabilité, c'est vrai qu'il est vraiment plus de Rochodesh, quoi, on va dire. Plus que le premier jour. Alors il te dit non, avant le Chodesh Chazer, mais si c'est un mois où il n'y a qu'un jour de Rosh Chodesh, Marzerim Oto, on refait Arvit. Il refait Arvit pour faire Yalev Yavo. Amale Rav Shilami, Rav Shilami, Mikide Rav Tamakamar, est-ce que Rav, il a rapporté une raison? Il a rapporté un Tam. Pourquoi toi, Rav, il a dit une halakha, toi tu dis non, si c'est comme ça, comme je le dis, il a pas dit tout Tam, il a parlé de manière générale. Mali Chaser Mali Malé. Il a parlé que ce soit un mois où il y a deux jours de Rosh Chodesh ou qu'il y a un jour de Rosh Chodesh. Et la lochna, donc effectivement il n'y a pas de différence. La halalé, qu'effectivement quand Arvit, on oublie Arvit Yalev Yavo, on ne refait pas l'amida. Rashi, Migdet Amaka Amar, est-ce que Rav, il a rapporté une raison, Shem Mikachim et Chodesh Balala, qu'on ne sanctifie pas le mois, la nuit, Adran Alar, Tefilat Hashachar. Donc Baruch Hashem, on a fini le quatrième péril, grâce à votre assiduité. C'est le mot que je cherchais, merci. Grâce à votre assiduité. Et qu'on fait un amoud tous les jours, Baruch HaShem, apparemment, d'après le compte de Dan, il y a des chances qu'on finisse de la Maseret, si tu veux. Et nous disons, Pahim Torko Vedroche, Chassidim Arishonim. Et nous disons, c'est ça, c'est un pari de Tfila. Nachon. Il faut faire la Tfila avec Kovedroche, sérieusité, on peut dire. Humilité, tu penses? Rashi nous dit Achna, humilité, effectivement. Merci. Chassidim Arishonim, merci bien. Ayushoin Sha'achat Umitpalelim. Les premiers chassidim, ils s'attardaient une heure, c'est-à-dire ils se préparaient une heure avant de faire la prière. Kedeshi Chavnu Libam Laviem Shepashamayim. Pour qu'ils puissent avoir une vraie concentration
quand ils font leur tula pour Akadosh Baruch Hu. Afilu Amelech Shel Bishlam, même quand le roi il lui pose, il l'interpelle pendant sa amida, Lo Yishiven ne lui répondra pas. Afilu Nachashka Ochalak, et voyez, même si c'est un serpent autour de son talon, Lo Yafsik ne s'arrêtera pas. Bien sûr, on verra dans la Sefer Gemara que c'est dit quand il n'y a pas un danger, qu'il n'y a pas de danger. Mais quand il y a un danger, Pikuach Nefesh, Dochek Lotrokok, quand c'est un danger de mort, ça repousse. On parle d'une situation que c'est pas dangereux. Dans le temps, si tu habitais dans la campagne, c'est que c'est dangereux, qui n'est pas dangereux. Il y a des serpents qui ne sont pas dangereux. Je... Roi, ça dépend si c'est un roi juif. Si c'est un roi juif, il n'y a pas de problème. Non, David Amelech, il te voit en faire ta prière. Il n'a pas vu que tu étais en train de faire Shacharit. Il va pas. David Amelech comprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois. Il n'y a pas de problème. On parle que d'un roi juif alors. On parle d'un roi, c'est par exemple François Mitterrand. Il n'est pas juif. Mais disons que François Mitterrand est interpellé en train de faire ta amida. Si tu ne réponds pas, il n'y aura rien qui va se passer. Il va pas te tuer. Dans ces pays démocratiques. On parle d'un roi, il est ok, alors que ce soit un roi ou un chef, peu importe. Dans notre génération, tu prends la roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre, elle va t'interpeller, elle va rien te faire. C'est... Non, non. Non, non. Ok. Effectivement, quand on parle de la tefila, hein, vous savez tous, bien évidemment, David de Boulle, qu'on est créé. Et tu avais que son téléphone ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Qu'on est. Chazak, quand on a été créé avec un corps et une âme, côté matériel, côté spirituel. Et donc, quand on mange une poire ou une pomme ou un steak ou un halaesh, alors on a un gros kiff, c'est vrai. Mais il faut savoir que les plaisirs spirituels, puisqu'on en a parlé dans Enaya la semaine dernière, mercredi dernier, effectivement, celui qui ressent une bonne tefila, mais une vraie, quoi, qui se lie à Kadosh Baruch Hu, effectivement, c'est un plaisir qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense que le plus grand des plaisirs matériels. Pourquoi ? Parce que c'est notre neshama qui se lie et qui s'ouvre à l'influence divine. Celui qui a ressenti ça, peut-être un kippour ou un purim, ou il a une vraie tefila, une bonne tefila, il pourra vous dire qu'effectivement, c'est un plaisir extraordinaire. Pourquoi c'est un si grand plaisir ? Parce que tu te sens lié à Kadosh Baruch Hu, qui est notre source de vie. Donc c'est pour ça que les chassidim, vraiment, quand tu te prépares d'une bonne manière, alors effectivement, il y a plus de chances que tu arrives à ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est vraiment, vraiment recommandé. Une seconde, c'est la maison, si tout va bien. Ken, Anibem Sashio. אז כנראה שאיבדה אותו, כי היא לקחה אותו לאוניברסיטה. ביי. בסדר, תשאל אותה. אני באמצע שיעור, אמנואל. ביי. מנה למילה. כלה לסורס. כלה לסורס, זה סכום ואין דובר על המשנה. Amar Rabbi Elazar d'Amar, il rapporte un passage qui dit Vimarat Nafesh. On parle de Hana qui prie à Kadosh Baruch Hu pour avoir un enfant et qu'elle est amère. Et donc, nous dit la Gemara, peut-être ce n'est pas une preuve, Mimai, Dilma, Hana, Shan et Davat Merir Ali Babetouva. C'est possible que Hassan est différent, pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment, elle était amère, elle était très très amère et donc très Achna. Comment ça dit Achna ? Non. Soumise, Achna, le premier de Rashi. Elle avait été un, pourquoi ? Parce qu'elle avait vraiment besoin de quelque chose. Mais est-ce que ça, Baruch Hashem, là, qui ont des enfants et qu'ils ont une parnassa, ils ont ce qu'il faut, alors tu ne peux pas prouver du cas de Hana que toute notre filote doit être avec humilité, qu'on doit être soumis. Amal est là, donc la Gemara nous rapporte une autre preuve. Amal Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, mais Acha. Un autre pasuk. Vani berov chazdecha avovetecha et shtachavelecha kotecha biriratecha. Moi, avec ta grande bonté, avovetecha, je viens dans ta maison et je vais me prosterner et lecha kotecha devant ton sanctuaire. Biriratecha avec crainte. Donc tu vois là aussi que dans la tefila, il faut avoir la crainte à Kadosh Baruch Hu. Mimai. Pourquoi? Dilma David shane davam etzarin afshe berachmedu. Peut-être qu'on parle d'avka de David Amelech. C'est différent. Que lui, il avait, nous dit Rashi. Pas de Rashi, mais je me rappelle d'avoir un pérouche parce que Rashi il implorait beaucoup à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de miséricorde pour se faire pardonner sa faute. Je sais plus où j'ai vu ce pérouche, mais je l'ai pas inventé. Pourquoi ? Parce que je viens de vous dire. C'est toi qui l'as fait ? Non, mais je l'ai lu quelque part, sûr et certain.
Je ne sais pas quand, il y a un an, il y a deux ans, il y a deux jours, mais... Non, peut-être, mais je suis sûr que j'avais vu quelque chose. Ah, on le fait mercredi matin, parce que là, on doit faire un amour à chaque fois. Alors, Mère Tagmara Akdosha. Quoi, est-ce qu'on n'a pas compris, là ? D'approfondir. Voilà, je t'ai ramené un pérouche, là. Ok. On Mère Tagmara Akdosha. Ela Amara Beyoshua Ben Levi Meacha. Je te rapporte donc un autre pasouk. Qu'il faut se prosterner devant Kadosh Baruch Hu, Behadrat Kodesh. Je dis la Gemara, elle t'écrit Behadrat, elle a Beherdat. Comment dire Herdat? Ça veut dire d'une manière. Non, Harada, c'est. Ça a rapport avec la Mouda. Ouais, mais c'est avec un lamed, avec un taf. Harada, c'est comme quelqu'un qui tremble. Avec tremblement, on va dire. Alors, qui te dit pourquoi ? Et donc, si tu as une grande crainte comme ça, tu trembles devant Kadosh Baruch Hu, forcément que tu as cette humilité qu'il faut avoir. Dilma le'ola imala hadrat mamash. Pourquoi qui te dit ? Peut-être que c'est véritablement avec hadrat, c'est une gloire. Comme Rav Yehuda, on sait que Rav Yehuda va metzai nafshe, ve'adar matzle. C'est quoi metzai nafshe ? Regardez Shim et kachet atmo et begadav. C'est Rabbi Yehuda Hanassi, on parle de Rav Yehuda. Alors on voit, nous dit Rashi, mais Kachet Atzmo Bugadav. Il arrangeait ses habits avec des très beaux habits, un très beau smoking, avant de faire sa prière. Alors c'est possible que, peut-être c'est possible que ce passage, c'est pas une preuve. C'est seulement pour te dire que quand tu viens à prier devant Kadosh Baruch Hu, que tu ressens comme si tu étais devant un roi. Donc si tu es devant un roi, effectivement, il faut s'habiller convenablement. Et même d'une manière très importante. C'est ça, Hadrat Kodesh, avec gloire. Alors, Omer Tagmar Kodesh, non. Ela, Maravnach, Maurisrak, Meacha, Evdou et Hashem, Beira, Vegilu Birada. Il faut faire le service à Kadosh Baruch Hu avec crainte. Vegilu Birada. Et même quand tu es joyeux, en tremblant. C'est mal, Vegilu Birada. Comment tu peux expliquer ça? Amaravnach, Amaravnach, Bimkom Gilash, Atem Reada. Dans l'endroit où il y a la louange à Kadosh Baruch Hu, c'est le Beta Knesset. Là-bas, t'es Reada. Là-bas, il faut effectivement. Trembler devant un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire avoir cette crainte. Regardez Rashi. Avdut Hashem Beira, Tfila Shilanu Bimkom Avoda. La prière qui est pour nous un endroit de travail, qui est, non, Bimkom Avoda, qui est à la place du service dans le Beit HaMikdash. Asuta Beira, il faut la faire avec crainte. Maintenant, pour Aviel, il voulait un petit pérouche. Donc, on nous parle de la Tfila. On dit Ezoï, là, on parle de Avoda aussi. On sait que dans le Beit HaMikdash, c'est la Avoda, on parle de la Avoda Ta Korbanot, du travail, du service des Korbanot. Effectivement, ça demande un très grand investissement et d'argent, parce que un veau ou une vache, c'est pas donné. Et ensuite, il faut faire la shrita et les kohanim. Il y a un très très grand travail. Nachman Samuel, il y a un très grand travail. Il faut que je prenne les portables. Je sais pas pourquoi on les prend pas au début du cours. Voilà, si vous voulez faire un petit tour, faites un petit tour avant les portables. Donc, nous dit l'Agma, nous dit, et on sait que à la place de Aviel, à la place des korbanot. Donc, effectivement, c'est la tfila. Et donc, la Gemara nous dit qu'il faut travailler avec la chambre de tout ton cœur. C'est quoi le travail du cœur? C'est la tfila. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend ce pérouche, qui est le suivant. Que pour effectivement arriver à une bonne tfila, c'est-à-dire, comme on a parlé tout à l'heure, avoir ce plaisir spirituel, qu'on se tient devant Kadosh Baruch Hu, qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, qu'on se sent lié à Kadosh Baruch Hu, ça, c'est obligatoirement, ça doit passer par ces dimensions de avoda. Et zohi avoda chez Balev, c'est un véritable travail. C'est pas tu viens coucou, ok, tu fais la Kadosh Baruch Hu, tu te mets dans un, je sais pas, cool comme ça et tu vas ressentir la chose. Ça vient, c'est-à-dire celui qui prend la tfila comme un véritable travail. Donc ça demande un véritable engagement, un véritable investissement. Avant la tefila, un ayun tefila, c'est-à-dire une étude de comprendre la tefila, effectivement, il y a beaucoup plus de chances d'arriver à une bonne tefila. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand tu vas, on va prendre un exemple tout simple, quand tu vas au travail, vous allez travailler pour votre parnassa. Alors, si vous avez un boss un peu carré, et si vous avez un travail assez exigeant, eh ben, vous verrez que ce sera impossible ni de répondre au téléphone, ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, rien.
Tu vois des gens qui sont dans les call centers, tu les appelles, ils ne te répondent pas. Ils ne te répondent pas au travail parce qu'ils sont en train de travailler. Que s'ils vont se faire attraper pendant leur travail, ils vont les gérer. Okay, ils n'ont pas ni accès ni au mail, ni à rien du tout. Ils sont dans leur travail, concentrés pendant 4 heures d'affilée. Après, ils ont un quart d'heure de pause. Mais quand ils sont dans leur travail, ils sont dans leur travail. Et ils savent très bien que le travail commence à 8 heures. Ils viennent, ils passent leurs doigts ou ils passent leur carte. Et ils savent très bien que s'ils viennent avec un quart d'heure de retard, et ben à la fin du mois, s'ils gagnent, je ne sais pas moi, 100 shekels de l'heure, et ben un quart d'heure de moins, ça fait quand même 25 shekels. Tu fais fois, si tous les jours il arrive avec un quart d'heure de retard, 20 minutes de retard, et ben à la fin du mois, il recevra beaucoup moins d'argent. Donc les gens, ils font attention, pas d'arriver un quart d'heure après, mais même d'arriver 5 minutes avant. Ils savent très bien, attends, ils savent très bien. Attends, une seconde. Laisse-moi finir. Et donc, ils savent très bien que si ils vont pas prendre leur café avant, et ben ils vont devoir attendre l'afsaka qui est 3 heures après. Donc ils vont venir un quart d'heure avant. Ils vont prendre leur café, ils vont manger ce qu'il faut, ils vont venir bien, pourra bien travailler. Ils savent qu'ils gagnent en plus des bonus s'ils vendent bien, et que s'ils ne sont pas prêts, ils sont bien douchés, bien organisés, bien habillés, et ben ils ne vont pas réussir leur travail, ils ne vont pas gagner de l'argent, etc., etc. Maintenant, si vous imaginez que nous, on fait pas plus que ça, mais je le dis aussi pour moi, bien évidemment, qu'on prendrait au sérieux notre fila, comme, pas plus, okay, mais comme un travail normal et habituel, c'est-à-dire pas arriver avec un quart d'heure, 20 minutes, genre à Ishtabach ou à Yotzer, mais arriver un quart d'heure avant, c'est-à-dire comme les Chassidim Harishonim, c'est une heure avant. Tu te prépares bien, tu es tranquille, tu es posé, tu es propre, etc., etc. Tu viens te concentrer, tu éteins complètement ton travail, pas sur vibreur, parce que sur vibreur, ça te déconcentre. Ok, tu vas regarder qu'est-ce que tu as reçu, mais tu mets complètement sur que tu l'éteins même. Et tu prends pas, il y a des journaux dans les Beth Knesset, il y a des journaux de partout, il y a tout qui te. Et tu pars, tu chuchotes avec un copain, ah comment ça va? Tu fais la bise à chacun qui rentre à la synagogue, ça c'est très en France, chacun qui rentre, tu fais la bise, ça va, ah mon frère et tout, nanana, les histoires, comment ça va et tout. Alors évidemment, il n'y a aucune chance que ça soit une bonne chose, c'est sûr. Alors c'est ça que la Gemara dit, Avodah Shebalev, tu dis, si véritablement tout d'abord on prendra au sérieux, au minimum, on n'a pas dit plus. De faire la tefila comme un certain travail. Shacharit, mincha, arvit. Quand quelqu'un va travailler, c'est toujours qu'il va travailler, toujours il le prend en sérieux. C'est ce qu'il va pas penser. Il va se faire virer, il n'aura pas d'argent, il n'aura pas sa parnassa. Donc si on le prend en sérieux bien comme il faut, et ça peut être besimcha, bien évidemment, ça n'empêche pas le. Mais c'est birada, c'est avec crainte, c'est avec honneur qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Et bien, personnellement, je peux vous dire que ça marche. Et que si vraiment on le prend en sérieux, et bien il y a beaucoup, beaucoup plus de chances qu'on arrive à avoir une bonne tefila, bien compréhensible. Bien lié à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, surtout pour les Français qui ont un peu du mal avec le langage, dernier mot, c'est d'étudier avant, se faire une charuta par exemple, tous les jours, et de prendre un livre, un sidour traduit, et de bien connaître les paroles. Pour un Israël, c'est plus facile parce que c'est en hébreu, mais pour ceux qui ne comprennent pas encore bien l'hébreu, alors si tu prépares bien la tefila, les tachanun, les trucs qui sont assez compliqués, et là, c'est, effectivement, ça sera beaucoup plus. Une mère, celui-là. Il y a une question. On a dit que la par rapport au Kovanot. On avait dit ça. Nahal Akbar, on avait dit ça. Alors, dans le premier temps, effectivement, il n'y avait pas de tuyau. Dans le deuxième temps, puis il y avait les deux. Qui te dit qu'il n'y a pas besoin de Kovanot Roche? Le Rambam, il dit que même avant C'est vrai que le service au Beth Amikdash est différent que notre service d'aujourd'hui. Nous, on a difficile à imaginer ça parce qu'on ne sait pas ce qu'est le Beth Amikdash, mais tout le travail au Beth Amikdash, c'était un travail. Tout d'abord, tu t'annules plus ta personnalité face au Kohen. On va dire que c'est plus le Kohen qui était ton chaliard, donc il faisait le travail pour toi, tu comprends. Maintenant que le Beth Amikdash n'est pas existant, donc c'est un travail différent. Donc c'est vrai que c'est difficile à comparer parce que là-bas, le travail, il y avait. Dans le monde, il y avait une force rikshit très très forte. C'est pour ça que tu dis, ça te paraît bizarre que les gens ils pouvaient se prosterner à des idoles, c'est des fous. Et ben c'est pas que c'était des fous, c'est qu'il y avait dans le monde une force très 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 intense de vouloir adorer quelque chose, de vouloir une attirance très forte aux forces naturelles, aux forces qu'il y a dans le monde. Dans le travail était de servir à Kadosh Baruch Hu. C'était quelque chose qu'on ressentait vraiment. C'est-à-dire, tu imagines, au Beth Amikdash, à Yom Kippour, il y avait des Nissim. Tu ressentais vraiment la présence divine. C'est pas quelque chose que tu crois ou
ou que tu penses, ou tu as une foi. C'était quelque chose qui était là, quoi, que tu ressentais vraiment. Donc, le, donc c'est différent, quoi. C'est une avoda différente, quoi. Ok. Nous dit la Gemara, Abaye, Avayativ Kamel et Rabba. Abaye était assis devant Rabba. Chazie, il a vu Davakaba d'Artuva. Il était, nous dit Rashi. Ah, j'ai sauté une ligne. Non, alors pour. Ah, Rashi, Nahon. Davakaba d'Artuva, nous dit Rashi, Yotermidai. Il était très joyeux, quoi. Venira que pour Ekrol. Ça avait même l'impression que quoi qu'il est pour Ekrol, ça veut dire que, qu'il rejette sur lui la crainte d'Hachem. Alors, il dit qu'est-ce qui se passe là ? Amar, il y a marqué qu'il faut, quand tu loues Kadosh Baruch Hu, il faut ça avec crainte, avec Re'ada. Amar, il lui dit non, Anna, Tfilin Manachna. Moi, tu vois que j'ai Tfilin sur mon front et sur mon bras. Donc, nous dit Rashi, Vehem Aidut, Shem Shayet Koni ou Mesharto Alai. Et eux, ils montrent, c'est la preuve qu'effectivement, j'ai la conscience d'Akadosh Baruch Hu sur moi. Même si tu me vois que j'ai un bon sourire, que je suis en bonne humeur, le fait que j'ai une fille sur moi, ça montre que j'ai quand même, que je suis même dans une certaine sériosité. Tout à l'heure, tout ce que j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas parlé de pleurer ni d'être bateau. Mais il a dit pourquoi tu souris. Il a marqué Badar Touva, ça veut dire que c'était apparemment plus que ça, quoi. Ensuite, nous dit la Gemara, Rabbi Yirmiyahu avait été comme des Rabbi Zera, donc il était dans Rabbi Zera, Chazé d'Avakaba d'Artova, il a effectivement que lui aussi était très 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 joyeux. Amar lui a dit un peu ce que tu veux, Cholé, ça vient moutard. On voit que c'est mieux d'être une certaine sériosité, on va dire. Amar lui dit, Anatfin Manachna. Ça n'existe pas ? Ok. Amar lui, Anatfin Manachna, tu vois, j'ai les tfilines sur ma tête, donc ça prouve que je suis, j'ai la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mar Bere de Ravina. Mar, fils de Ravine, Avad Dilou Alaybari, il a fait un mariage à son fils. Razon et Rabbanan, Abkabat Retouva, les Chachamim, ils ont vu qu'il y avait trop d'allégresse, on dit ? Trop d'allégresse. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Aïtekou, Sademouk, Rabat Arba, mais Azuzé, il a ramené un verre. Regardez Rachid, Kosh et Sroukhid Levana, un verre, donc, d'une matière blanche, mais qui vaut très très cher, qui valait 400 zouz. Le Tavar Kamayou, il les a cassés devant lui. Ve'atsivou, alors là, tout leur joie. Et c'est transformé en tristesse. Ah, et c'est pas trop d'allégresse. Allégresse, au contraire, c'est pas la joie, l'allégresse. Allégresse, c'est pas la joie ? C'est si. Spécifique. L'allégresse, c'est quand t'es là, tu kiffes, ouais, il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup de... Alors, pour atténuer leur allégresse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un verre qui valait plein d'argent, il a cassé devant eux. Je crois que le Rav Kook explique la chose suivante. Non, Inaya, tu voulais du Rav Kook ? Le Rav Kook, il me semble, j'avais vu ça l'année dernière ou il y a deux ans, il disait la chose suivante, que c'est quoi, il vient de casser le verre. En fait, ils sont dans un mariage, il y a une grande simcha, etc., etc. Mais effectivement, il voulait montrer qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, éphémère, et que même un verre qui vaut 400 zouz, c'est-à-dire, ça représente quoi ? Nous, aujourd'hui, on peut bien le comprendre, vous verrez, Bezrat Hashem, quand vous serez plus autonome dans votre argent, eh ben, on peut assez rapidement dans la vie se sentir roi du monde. Pas roi du monde, c'est-à-dire que tu prends des assurances de tous les côtés, assurance maison, assurance voiture, assurance maladie, assurance complémentaire. Quelqu'un maintenant qui travaille, qui a un bon travail, il reçoit tous les mois une paye, une belle paye, le Baruch Hashem, une grande maison, une voiture. Il se sent que rien ne peut lui arriver. Et donc il est content, il est heureux. Alors ça ne veut pas dire qu'il oublie la Kadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il fait cette filote, il est à Torah, mais on va dire que quelquefois, sa émouna, il sent un petit peu que tout est sous contrôle. C'est vrai que l'homme, il a un certain besoin psychologique de ressentir que tout est sous contrôle. Mais la vérité, c'est pas mauvais, mais si tu oublies que le contrôle, que d'abord que ce contrôle, c'est pas un vrai contrôle, parce que du jour au lendemain, et ça on le voit tous les jours, les gens les plus riches sont devenus les plus pauvres, les gens les plus en bonne santé sont devenus malades, les gens les plus vivants sont devenus morts, et les gens les plus pauvres sont devenus riches. Et donc même si on croit qu'on a tout sous notre contrôle, on a bien vu que les gens les plus riches du monde, comme Madoff ou je sais pas quoi, et ben, du jour au lendemain, ils sont retrouvés en prison. Et...
Alors, comme c'est quelque chose que tout le monde le sait, donc c'est pas du lashon hara, et encore plus, il faut, quand c'est quelque chose qui est de mauvais qui a été fait, donc ça, il faut éduquer de ne pas avoir ce comportement. Le fait de donner les chevaux, ça ne te permet pas de faire la plus grande magouille du monde, c'est pas... Et donc, effectivement, c'est ce que les chachamim ont voulu peut-être leur dire. On est dans une simcha, tu vas dans un mariage, on croit jamais une allégresse, il y a des repas, il y a de l'argent, il y a des beaux habits, tu te sens que le Olam Hazeh, bah, au Hachem, il est... il éclate. Il a pris un verre, 412, paf, il a cassé devant eux pour leur montrer, oh, faut pas oublier que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Encore une petite histoire. Quelle heure il est? Top, Chazak ou Baruch.